www.casarema.fr. Jésus, j'ai dit gloire à Jésus. Oui, vous savez, aujourd'hui c'est un grand jour où nous allons expérimenter le mystère caché. Alléluia. Nous sommes là parce que le Père de cette maison nous a rassemblés. Amen. Et un Père, écoute-moi. Un père doit être capable de savoir ce qui arrivera demain. Amen. Alléluia. Amen. Un père
père doit être capable de sonder le futur. La Bible dit ceci, écoute-moi bien. Jacob appela ses fils et dit, ensemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Ce qui va arriver dans la suite des temps, Jacob le savait. Jacob était informé. Jacob avait la connaissance des choses qui devaient arriver. Aujourd'hui, nous avons un Jacob dans cette maison qui a eu cette capacité, qui a eu cette révélation des choses qui vont arriver dans cette rentrée pour la vie de ses enfants. Et si Jacob a dit, rassemblez-vous et je vais vous annoncer des choses qui vont arriver. Voilà pourquoi notre rentrée, où je vais dire, notre année va se clôturer aujourd'hui. Les tenants et l'aboutissant de l'année, c'est aujourd'hui que nous allons clore toutes les choses. Voilà pourquoi, avec assurance, avec joie, tu vas te lever comme quelqu'un qui a la foi, qui sait que son père connaît la suite du temps et il veut lui annoncer des choses qui vont lui arriver. Acclame ton Dieu et accueille des choses qui vont arriver. Acclame bien tous les choses. Beaucoup plus chaud. Donc, ferme ta bouche et tu vas voir une fraîcheur t'atteindra. Alléluia. Merci, le serviteur de Dieu chante pour ce moment de louange et d'adoration. Comme le modérateur, l'ancien Raymond vient de nous dire, nous voulons clôturer l'année administrative 2013 et 2014. Et nous nous préparons pour entrer aujourd'hui l'année 2014-2015. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu pour quelques jours de vacances, quelques semaines de vacances que tu as eues. Et tu as profité de ces jours de repos. Nos enfants se sont bien reposés. Alléluia. Amen. Se sont bien reposés. J'ai béni Dieu parce qu'il n'y a pas eu des accidents dans ta famille. Alléluia. Amen. Ton mari n'a pas succombé dans un accident quelconque. Ta femme non plus et tes enfants sont en sécurité. Alléluia. Amen. Ils ont commencé l'année scolaire au mois de septembre et ils ont fini au mois de juin pour les uns, au mois de juillet pour les autres. Et Dieu t'a gardé, Dieu t'a protégé. Sur ton chemin de l'école, sur ton chemin de travail, il était avec toi. Il y a eu des gens qui ont eu des accidents de travail très durs, ils sont arrêtés. D'autres sont déclarés invalides, d'autres sont morts. Mais toi, tu es ta gardienne, tu es ta sécurité. Alléluia. Amen. Un de nos enfants, un de mes enfants ici, il me donna un témoignage en disant à papa, j'ai tombé de l'échafaudage, du quatrième étage. Alléluia. Amen. Du quatrième étage. Et quand j'ai tombé, je me suis dit, il y a un Dieu que j'ai pris. Le Dieu de mon père Oscar. Le Dieu de mon révérend. Et il m'avait dit que je ne mourrais pas. Alléluia. Il est tombé sur... C'est ton frère, il est là. Il est là.
Il est tombé sur un véhicule, sur une voiture. La voiture était complètement déclassée. Et il est sorti, même pas une petite blessure. Alléluia. Même pas une petite. Les pompiers sont venus. Les pompiers l'ont regardé, ils ont dit non, on ne peut pas te laisser comme ça. On t'amène à l'hôpital. Mais malgré toutes les démarches, tout ce qu'ils ont demandé, le frère va super bien. Il n'était même pas arrêté, pas même cette jour. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je croyais que tu allais acclamer fort. Amen. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous voulons aussi faire. Parce que nous savons une chose, le diable se prépare aussi. Parce qu'il veut que ton sang lui serve du vin dans sa table. Et la boisson dans sa table. Que ta chair, ton corps, lui sert de la viande. Mais nous nous lèvons avec la révélation que Dieu nous a donnée pour bloquer le plan du mal. Amen. J'ai dit pour bloquer le plan du mal. Répondez Amen fort, tu y es en direct. Pour bloquer le plan du mal, nous voulons déjouer le plan du diable. Car Jésus l'a dit en disant, le voleur ne vient que dérober, gorger et détruire. Ça, c'est le plan du mal. Pour cette année qui commenceront lundi, dès ce lundi, le plan de gorger est là. Le plan de détruire est là. Et le plan de voler est déjà mis en route. Mais nous sommes là pour les bloquer. Amen. Pour l'arrêter. François, nous sommes là pour la rebelle du sango. Détruire tout cela. Amen. Alléluia. Amen. Avant de commencer cette petite exhortation, ce sont en fait des requêtes, des prières que je nous donnerai, qui nous pousseront à prier et à déclarer des choses sur nos enfants, sur nos femmes, sur nos maris, sur nos familles, sur nos foyers, et des paroles qui nous accompagneront toute cette année et dans la suite du temps, comme le modérateur a dit tout à l'heure. Toi aussi peut-être qui me suis derrière ton PC, ton ordinateur, tu es branché sur le site casarema.fr. Suis bien ce programme. Mais quelque chose se passera dans ta vie. Dieu te saisira par la main et te fera rentrer quelque part. Amen. La rentrée se prépare aussi pour toi. Amen. Et le diable aussi le prépare d'une manière pour te détruire, détruire ta famille. Je bénis Dieu parce que tu es derrière et le Seigneur te donnera quelque chose. Amen. Je commence à ouvrir ma Bible dans les livres des évangiles. Je prends l'évangile selon Luc. Pour parler de cette rentrée qui commence pour toi. Luc chapitre 11. Je ne vais pas lire tous les versets, c'est à partir du premier verset au 11e verset. Vous connaissez cette histoire, Jésus voulait rentrer à Jérusalem. La rentrée de Jésus. Il s'approchait de Jérusalem. Jérusalem est ville de paix. La ville de Dieu. La cité, cité de David. La ville de gloire. La ville de promesse. Peut-être pour toi aussi. L'année qui commence là. C'est l'année de gloire pour toi. Ah, je dis l'année de gloire pour toi. Une année exceptionnelle.
Jésus voulait marquer son entrée. Comme je vais dire à quelqu'un, le Seigneur va marquer ton entrée. Ah, j'ai dit, le Seigneur va marquer ton entrée. L'entrée de Jésus était une entrée surprise. Il n'entrait pas comme les autres entrées. Mais cette entrée était spéciale. C'est pourquoi je déclare déjà pour toi. L'entrée 2014, l'entrée 2013, 15, pardon, c'est une année spéciale pour toi. Amen. Et le Seigneur veut préparer les choses comme il n'a jamais préparé. Ah, je dis déjà à tes voisins, je dis déjà à tes adversaires, je dis déjà à tes ennemis qu'ils se préparent, car le Seigneur prépare quelque chose pour toi. Amen. Asseyez-vous, peuple de Dieu. La Bible dit ceci. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, qu'ils firent près de Bethphagé et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant, « Allez au village, qui est devant vous? Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-les et amenez-les-moi. » Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Laisse-moi dire à quelqu'un, dans ma lecture, parce que je n'aurai pas à prêcher ces passages, ces textes. Dans cette année qui commence, il y aura des gens qui vous diront, mais pourquoi vous faites ça? Alléluia. Qui vous a ouvert cette porte? Pourquoi vous êtes rentré là? Alléluia. Amen. Et la réponse est simple. Parce que le Seigneur en a besoin. J'ai dit, le Seigneur a besoin de ton succès. Amen. Le Seigneur a besoin de ton élévation. Amen. J'ai dit, le Seigneur a besoin de ton mariage. Amen. Le Seigneur a besoin de tes affaires. Amen. Le Seigneur a besoin de tes avoirs. Ah, j'ai dit, le Seigneur a besoin. François, soit qu'il ne s'en va l'ingui. Si Dieu veut quelque chose, ou dans sa tête, personne d'autre ne peut dire. Et dans cette année, tu répondras, nous sommes dans l'ingui pour la main. Je veux pour moi. Alléluia. Amen. Le Seigneur en a besoin. Tala, sont une colle à l'ingui. Regarde, si Dieu t'aime, si Dieu aime, à besoin de l'homme en co. Il prendra les choses de force. La robine en co. Je dis de force. C'est-à-dire pour Naïo. C'est-à-dire pour toi. Encore pour sa fécondité dans le corps. Dieu prendra la fécondité de force. Aux hommes en gâté. Tu ne m'entends pas. Alors, mais pour Naïo. Je dis pour toi. Encore pour sa CDI dans le corps. Dieu prendra le CDI de force. Alors, mais pour Naïo. Pour toi. Encore pour sa régularisation dans le corps. Dieu prendra la régularisation. Aux hommes en gâté. Tu ne m'entends pas. Alors, mais quand Dieu voudra, il le fera par force. Que le ciel veille, que la terre refuse, il le fera par force. Alléluia. Alléluia. Alors, un chef moral n'a pas promotion dans ma vie. J'ai un chef qui n'aime pas ma promotion. C'est ton cas. Mais là, il y a des saillons. Mais que je te dise, Nicolas, on peut s'en rendre en compte. Dieu te donnera de force. Alléluia. Le Seigneur en a besoin. Et les disciples étaient allés trouver l'anneau attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin. Et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dit, « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau? » Il répondit, « Comme Jésus l'avait dit. » C'est comme ça que toi aussi tu répondras. Ah oui, le Seigneur en a besoin. Alléluia. Amen. Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous? La Bible dit, « Il avait dit et on les laissa aller. » Ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent l'air vêtement. Et Jésus s'assit. Jésus s'assit. Jésus s'assit. Jésus. Si c'est ta Bible, souligne-moi Jésus s'assit dessus. Kola vani, les colos. Jésus s'assit dessus. Et beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres les branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père, au sein dans les lieux très hauts. Jésus entra à Jérusalem, dans les temples, car il eut tout considéré comme il était déjà tard
il s'en alla à Béthanie avec les 12. Parole du Seigneur. Écoute maintenant la requête. La requête que je vais te donner. Jésus rentre dans Jérusalem, mais il ne voulait pas rentrer en marchant à pied. Donc là, comme il avait l'habitude de faire. Mais ce jour-là, il a choisi de monter sur le cheval. Alléluia. Je suis venu t'annoncer que cet athlète, quand tu marcheras à pied, tu seras fatigué. Ce que le Seigneur fait, il veut te faire monter sur un cheval, sur un anneau. Laisse-moi te dire, tes pieds ont beaucoup heurté les pierres. Tes pieds se sont beaucoup croisés. Tu as beaucoup heurté les pierres et le Seigneur veut maintenant te faire monter sur un anneau. C'est pourquoi dans cette année, quelqu'un va s'élever. Quelqu'un va prier son Dieu en disant Zambé, Seigneur, la moula oyo, moulouisobana. Ah, je ne veux pas marcher à pied, mais je vais monter sur quelque chose. Je vais monter sur un anneau. Dans cette année qui commence, ce n'est pas l'année de rester sous. Ce n'est pas l'année de rester sous la table. Ce n'est pas l'année d'être en bas. Mais c'est l'année de monter au-dessus. Quand tu montes au-dessus, les gens te voient. Oh, laisse-moi dire à quelqu'un, longtemps tu as marché avec les autres, longtemps tu étais en bas, mais cette année 2014, 2015, tu vas monter sur un anneau. Alléluia. Maman, le problème c'est quoi? Si tu marches avec les gens, tu te fatigueras. À pied, tu vas trébucher. Je vais changer les choses. Je vais t'amener en hauteur. En haut. Si tu vas en haut, même ceux qui sont petits de taille te verront. Mais, mais si tu es petit, si tu es à pied, la foule te cachera. Beaucoup de gens sont cachés pour le bon succès. La foule a caché la succès. Foule a caché ton succès. La foule a caché ton élévation. La foule a caché ta guérison. La foule a marché à cacher ton miracle. Mais cette année qui souffre, le Seigneur ne veut pas que tu marches de la même façon. Le Seigneur veut te faire monter sur un anneau. Que les gens te voient. Je vais déclarer sur quelqu'un. Par le mariage, je te verrai des lois. Je vais déclarer sur quelqu'un. La guérison te verra des lois. L'élévation te verra des lois. Et la rédemption vient avec toi. Parce que les harmonies ont aussi. Parce que ça va partir de loi. Alléluia. Voilà. Il y a des choses qui n'arrivent pas dans ta vie. Parce que tu n'es pas localisé. Parce que tu n'es pas localisé. Les gens n'ont pas encore vu. Mais parce que cette année commence, les gens te verront de loin. Amen. Et apporteront des choses. Amen. Vous savez pourquoi la naissance de Jésus? Il a reçu des ors. Il a reçu des aromates. Parce que son étoile était en haut. Ils ont vu son étoile. Laisse-moi dire à quelqu'un. Ah, c'est fini le temps de rester en bas. J'ai dit, c'est fini le temps de rester en bas. J'ai dit, c'est fini le temps de rester en bas. Assieds-toi, s'il te plaît. Et il a choisi un anneau sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Écoute le Cambozalien. Écoute ce qui se passe. Tamboula. Lorsque tu marches, personne ne t'acclame. Même si tu es très beau, très belle. Mais personne ne te voit. Quand tu restes devant le miroir, tu te fais belle, tu te fais beau. Mais personne, quand tu marches, ne tourne le regard pour te regarder. Tu as des dons et des talents sur toi. Mais personne n'est là pour reconnaître les dons qui est à toi. Le talent qui est à toi. Alléluia. Bien-aimé, ils avaient leur anneau depuis très longtemps. Maintenant, mais jamais ils avaient coupé l'herbe pour qu'ils marchent. Ils n'ont jamais vêtu d'un habit de moi. Ils n'ont jamais poussé de grands cris. Mais ils avaient cet anneau-là. Ils l'avaient cet anneau depuis longtemps. Mais quand Jésus vient monter sur lui, cet anneau-là a reçu la gloire. Amen. Laisse-moi te dire. La cette rentrée,
Ah, c'est lui qui change les statuts. Il marchera sur toi. Et quand il montera sur toi, prépare-toi de marcher sur le pad. Ah, de recevoir les acclamations, de recevoir la gloire, de recevoir l'élévation. Je suis dans Luc 11. Et dans tes acclamations, tu reconnaîtras que Dieu t'a mis au-dessus de quelque chose, au-dessus d'une institution. Alléluia. Voilà. Écoutez, j'aimerais que quelqu'un arrive à comprendre. Tu fais des choses, mais personne ne les connaît. Alléluia. Personne ne t'acclame. Dans ton travail, tu arrives toujours à l'air. Mais les menaces, il n'y a que toi qui les reçois. Les avertissements, il n'y a que toi qui les reçois. Mais le bien que tu fais, personne ne le reconnaît. Ça, c'est fort. Ta beauté, yes, personne ne le reconnaît. Tes compétences, personne ne les reconnaît. L'agneau était là, personne ne reconnaissait la valeur de cet agneau-là. Bon, maman, prépare-toi. Je dis prépare-toi. Parce que cette année, même le propriétaire de l'anneau s'étonnera. Est-ce que c'est mon anneau ou ce n'est pas mon anneau? C'est le mien ou ce n'est pas le mien? Parce que le Seigneur a monté dessus. Prépare-toi. Ceux qui ont déclaré que tu es stérile, ils vont se dire, est-ce que c'est terre ou ce n'est pas terre? C'est lui qui a dit que c'est un malade. Prépare-toi. Il dira, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Une autre année. Alléluia. Amen. La Bible dit que l'anneau était attaché. Bakanga kiwa. Attaché. Mais quand le Seigneur rentre, allons faire quand le Seigneur est arrivé, il a ouvert, il a détaché l'anneau. Tant qu'on la côte. Lorsque Dieu est arrivé, nous se fait moi. Tout s'est ouvert pour l'anneau. Il y a d'autres gens. Il y a d'autres personnes qui sont liées. Alléluia. Il y a une corde à l'air. Dans ses finances, il y a une corde. En ce qui concerne le mariage, on a lié son mariage. Ah, les hommes peuvent venir. Les belles femmes peuvent passer. Mais quand il s'agit de parler mariage, tout s'arrête là. Peut-être toi qui me suis aussi, c'est le cas pour toi. Tu travailles, mais quand il s'agit d'épargne, de manger le fruit de ton travail, tu ne le vois pas. C'est-à-dire, la richesse est pour toi et Kangama, c'est lié. Les gens avec qui vous travaillez ensemble prospèrent. La prospérité est évidente dans leur vie. Ça se voit, ça se lit, ça se remarque. Mais toi, ça ne se voit pas. Ça ne se remarque pas. Elle n'existe même pas. Parce que c'est lié quelque part. Alléluia. Amen. Il y a d'autres gens qui sont intelligents. Mais son intelligence n'aboutit à rien. Sans diplôme, sans qualification, parce que c'est lié quelque part. Mais je suis venu déclarer cet après-midi. Quel que soit le nombre d'années, quelle que soit la force de la corde, quelle que soit la dureté de cette corde-là, quelle que soit la ténacité de ce lien, aujourd'hui c'est la rentrée, et c'est la rentrée avec Jésus. La corde sera brisée, la corde sera coupée, la corde sera déliée, et je la délivre à ta vie, dans les mains de Jésus. Combien se sont présentés à la préfecture? Je parle de ceux qui attendent la régularisation. 10 ans, 12 ans, 7 ans, 5 ans. Peut-être elle est aussi liée quelque part. Mais aujourd'hui, c'est la rentrée. Regarde ton voisin, dis-lui c'est la rentrée avec Jésus. C'est la rentrée avec Jésus. Dis-lui c'est la rentrée avec Jésus. Oui, c'est la rentrée avec Jésus. La rentrée avec Jésus, aucun lien résiste. Aucune corde résiste. J'ai dit la rentrée avec Jésus, aucun lien résiste. Alléluia. Je m'en vais pour finir et de vous amener dans un moment de prière. Écoutez,
appelé Abraham. Abraham avait la révélation de sacrifier son fils, de tuer son fils. La Bible dit là, je suis dans Genèse 22. Abraham prit son fils. Il prit le couteau. Il prit le feu. Il amène son fils pour le tuer. Laisse-moi dire à quelqu'un. Raymond, ce n'était pas les voisins d'Abraham qui ont pris Isaac. Parce que souvent, ce sont nos voisins qui sont nos ennemis. Mais en ce qui concerne Isaac, ce n'était pas les voisins de son père. C'est son propre père. Je commence à rentrer maintenant dans le mystère. Tu ne sais pas cette année qui se prépare. Qu'est-ce que ton père biologique prépare dans le monde invisible? Abraham était ami de Dieu. Et Dieu traite dans les dimensions spirituelles. Dieu a traité avec Abraham dans une dimension spirituelle. Peut-être aussi ton père traite avec le diable dans les dimensions spirituelles en ce qui te concerne. Alléluia. Amen. Et la conclusion était que l'enfant soit sacrifié. Et Abraham prend le couteau, prend le feu pour aller tuer l'enfant. Je vais dire à quelqu'un, l'entrée commence là après ce culte. Mais peut-être il y a déjà un père, un oncle, un état qui est déjà en position de prendre son couteau et d'amener quelque part. De prendre son couteau, d'amener ton diplôme quelque part. Amen. De prendre ton couteau, d'amener ton mariage quelque part. Si vous lisez l'origine de ce mot couteau, en hébreu, il veut simplement dire l'estomac qui détruit. Ok? C'est-à-dire, il peut prendre un estomac capable de détruire ton mariage alors que tu es encore vivant. Ton mari est encore vivant. De détruire ta profession, ta promotion, alors que tes diplômes sont encore valables. Amen. De détruire l'avenir de tes enfants, alors que tes enfants sont encore là. Amen. Le couteau de son propre père. François, aide-moi. Combien ma tata va maudire ça? Combien les pères ont maudit leurs fils, leurs enfants? Combien les pères vont consulter les fétichistes? Ils sont dans les fétichismes. Ils sont dans les sexes occultes. Et sacrifient leurs enfants. Amen. Alléluia. Amen. Et tu ne sais pas ce qui se prépare cette année. Les oncles qui se préparent. Les tantes qui se préparent. Les amis ennemis. Les voisins. Méchant qui se prépare avec un instrument pour détruire. Laisse-moi dire à quelqu'un, ça n'arrive pas qu'aux autres. Alléluia. Le volet de Dieu qui est pour détruire, égorger. C'est-à-dire, quand on dit le volet de Dieu qui est pour détruire, il a l'instrument, il a le couteau pour détruire. Yes. Alléluia. Amen. Ah, donne-moi un bon amen. Amen. Plus que tu donnes un bon amen, amen, plus le couteau ne te fera rien. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, nos enfants ont la grâce, la faveur d'arriver très loin, d'aller très loin. Mais il y a des gens avec les couteaux, avec les armes. Abraham a pris son propre fils. Attention, ton propre père. Ton propre père peut aussi te prendre. S'il est dans les mauvaises œuvres. Alléluia. S'il est dans les sciences occultes. Maman, ton propre mère. Ton oncle. Oui, tu parles avec force sur ton oncle. L'oncle se tapera la poitrine en disant, c'est moi l'oncle. J'ai l'autorité sur la femme. Et ça, c'est dans le monde spirituel. Avec le couteau arabe. Abraham prend son fils avec le couteau arabe. Laisse-moi dire à quelqu'un. Et aussi prendront le couteau à la main. Et ils avanceront. Alléluia. Amen. Peut-être avec toi.
parce qu'ils ont le lien du sang avec toi, parce que tu es son fils, parce que tu es sa fille, parce que tu es son neveu, sa nièce, il a une autorité quelque part. Abraham avait l'autorité sur son fils. Alléluia. Amen. Avec le couteau. Mais il arrive à cet endroit. Il sort le couteau pour tuer son fils. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, Abraham étendit sa main. Et l'ange de l'Éternel dit à Abraham, n'avance pas. Amen. Laisse-moi dire, le couteau qui sera levé contre toi. Papa, laisse-moi te dire une chose. Le fils était lié. Le fils n'avait aucune défense. Il n'y avait aucun avocat pour plaider. Il n'y avait aucun intercesseur pour intercéder. Ah, tu ne dépendras pas de toi, des intercesseurs. Il n'y avait pas un pasteur à côté. J'ai dit à quelqu'un, le Dieu de la rentrée sera avec toi, quel que soit l'endroit où tu seras. Amen. Alléluia. Abraham Yemoko. Abraham lui-même a lié moi là. A lié son fils. Et il n'y avait pas un avocat. Il n'y avait pas un intercesseur. Ou une intercesseuse. Un pasteur. Il n'y avait pas un prophète. Rien dit ça, yo. Que je te dise. On s'en a pas sa prophétie. Tu n'as pas besoin de prophétie. Ah, on a besoin de poser intercession. Tu n'as pas besoin d'intercession. On a besoin de poser position à l'été. Tu n'as pas besoin de position de main. On s'en a posé l'onction d'huile l'été. Tu n'as pas besoin d'onction d'huile. Il n'y avait pas l'onction d'huile. On a mort au rêve. Non. Alléluia. Amen. La Bible dit Dieu est venu. Je vais me dire à quelqu'un, le couteau de ton père, le couteau de ton oncle, le couteau de tes ennemis ne te tuera pas dans le nom de Jésus. Ne te tuera pas dans le nom de Jésus. Ne tuera pas tes enfants. Ne tuera pas ton mariage. Ne tuera pas tes affaires dans le nom de Jésus. Van dans la van. Assieds-toi, prends place. Oui, mais ce qui me dérange. Alléluia. Amen. Ce qui me dérange. Pourquoi Dieu va intervenir pour cet enfant Isaac? Isaac n'a pas eu un bébé. Isaac n'a jamais entendu le Seigneur. Isaac n'a pas eu un bébé. Isaac n'a jamais prié le Seigneur. Isaac accompagnera Tatana. Isaac accompagne toujours son père. Mais comment ça se fait que Dieu il vient au secours d'Isaac? Oh Yahweh. Alléluia. J'aime la prière. Je suis un homme de prière. J'aime le jeûne de prière. Mais il y a des choses que tu ne demanderas pas à Dieu. Que tu ne prieras pas. Mais Dieu lui-même s'en occupera. Lui-même viendra. Alléluia. Pourquoi j'ai envie de dire à quelqu'un aujourd'hui, tu as beaucoup prié. Maman, toi qui me suis derrière Internet, tu as beaucoup prié. Tu as beaucoup jeûné. Mais le Dieu d'aujourd'hui, Samé à l'entrée, le Dieu de la rentrée, à côté de moi, va se lever sans une prière d'intercession, sans un chaîne de prière. Oh, yes. Et il défendra ta cause. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Non, je suis préoccupé par cet enfant. Je suis préoccupé par cet enfant. Parce que je comprends que moi, je suis Isaac. Parce que je comprends que cet enfant, Isaac, c'est toi. Moi, je suis Isaac, Isaac de famille. Cet enfant, Isaac, c'est ta famille. Isaac de banana. C'est tes enfants. Mais nous, ils ont dérangé. Mais ce qui me dérange, il y a un complot qui a été fait quelque part. Pour n'aider à un complot a été fait pour que le couteau passe par cet enfant-là. Mais l'enfant ignorait tout. Tel que tu es là, vous êtes innocent. Tel que tu es là, tu es innocent. Vous êtes innocente.
Tu es innocente. Le père ont fait leurs choses. Ils ont consulté les loges. Ils ont fait leur sorcellerie. Ils ont fait leur kodia dans le temps. Oui. Mais toi, tu subis aujourd'hui. L'épée est sur toi. Laisse-moi te dire. Qu'est-ce qui a poussé Abraham, Dieu, d'intervenir sur cet enfant? Assieds-toi. C'est pas bon. Alléluia. Amen. Qui est Isaac aujourd'hui? Non, non, c'est Isaac qui le voit. Moi, je suis Isaac. Alléluia. Oh, Isaac. Écoutez, Isaac est le fils qui a été pris par la promesse, mais les occasions. Le moyen par lequel Isaac était venu était une opportunité. Tout n'a pas dit, mais comment? Tu m'as demandé, mais comment? Dieu s'est dirigé vers Sodome et Gomorrhe. Amen. Dieu s'est dirigé vers Sodome et Gomorrhe. Dieu n'était pas destiné de rentrer chez Abraham. Dieu passait son chemin. Il va à Sodome. Dieu n'allait pas chez Abraham. Mais Abraham a vu Dieu. Et il invita Dieu de rentrer chez lui. Maman, si tu regardes beaucoup de miracles dans la Bible, ils ne sont faits pas parce que Dieu allait vers quelqu'un. La femme a perdu ça. La femme à la perte de sang n'avait pas de programme. Réveille-toi à toi qui dors. Dans la derrière. Regarde en haut, tu vois le couteau. C'est pourquoi il faut que tu entendes ces choses. Alléluia. Amen. Et la femme qui avait cette maladie-là, de la perte de sang, va s'inviter alors qu'elle n'était pas prévue. Jésus n'allait pas vers Zachée. Jésus passait, mais Jacques s'est perché quelque part. Et Jésus rentre chez Jacques. Amen, amen. Alléluia. Amen. Le fils de la veuve unique de Naïm était ressuscité. Jésus n'allait pas vers cette femme-là. Jésus passait, il croise. Regarde, je vais te dire, ta vie telle qu'elle est là. Et ça produit, il y a une rencontre. Ta vie telle qu'elle est là, c'est le produit d'une rencontre. Et ça, une opportunité. C'est une opportunité que Dieu t'a donnée. Peut-être que nous connaissons le parler dans quelque part. Peut-être que le jour d'aujourd'hui, il faudrait que tu sois quelque part ailleurs. Dieu passe par là et Abraham l'appelle. Abraham, Dieu rentre chez Abraham. C'est alors que Dieu, après avoir mangé, il dira, l'année prochaine, à la même époque, tu en sortiras. Mais ce n'était pas petit. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un. Ton bien n'a pas à la bisauté. Non, mais grâce te prendra et te fera rappeler. Destination était de Gomorrhe. La destination était de Gomorrhe brûle. Donc avant Gomorrhe Zika. Alors avant que Gomorrhe brûle, il faut Isaac à Bima. Il fallait qu'Isaac sorte. La ligne est de Samoutou Mogo. Gomorrhe s'est préparé. Gomorrhe s'est préparé. Gomorrhe Cette année qui commencera, la grâce te cherchera.
Ah, le bouton ne pourra jamais t'atteindre. Amen. Le bouton ne pourra jamais te tuer. Amen. Mais t'as ton homme béni, on en a été. Amen. Le bouton ne mourra pas. Yoka, écoute. Yoka, écoute. Deuxième chose. Pourquoi le couteau ne pouvait pas le tuer? Voilà. Regarde. Isaac, Isaac, c'est le fils de la promesse. Amen. Hein? Le fils de la promesse. Écoute, je vais te dire. Celui qui. Une personne meurt. Mais il l'a que couffa. Mais la promesse ne meurt jamais. La promesse est couffa. La promesse ne meurt jamais. La promesse est couffa. Mais l'homme périra. Yokan expliquer aussi. Écoute que je t'explique. Yosa moi la promesse. Toi tu es fils et fille de la promesse. Zambe a dit qui Adam et Ève. Dieu a dit Adam et Ève. Parce que au Ève ça n'a pas juif toquer musique. Parce que tu diras juif on est on va trop loin. D'abord que Yosa moi la Abraham. Je dis d'abord que tu es moi la Adam. Et moi, la Ève. Je dis d'abord que tu es le fils et fille d'Adam et Ève. Mais depuis Adam et Ève, il y avait une promesse. Dieu avait dit au serpent, la postérité de cette femme t'écrasera. Cela veut dire quoi? Jésus a été la véritable promesse. C'est lui qui a écrasé. Mais cette promesse ne finit jamais. Tous ceux qui sont nés à Jésus sont aussi les fils d'Abraham. Ont aussi la même promesse. C'est-à-dire, nous avons beaucoup fâté. Aussi longtemps que pour tous les autres, nous avons détruit. Nous avons beaucoup fâté. Aussi longtemps que nous avons beaucoup fâté. Pour nous comprendre d'abord simplement. Pour que vous compreniez ça simplement. Avant nous avons beaucoup fâté. Avant d'avant. Il faut sorcer la vie. Il faut que sorcer la vie. Tu n'as pas encore fait. Alors, je dis ceci. Avant, ils ont écrasé. Avant que toi, tu sois écrasé. Il faut que les moutons soient encore écrasés. Celui qui cherche à la nanou. Soit d'abord écrasé. À la nanou. Il soit d'abord écrasé. On ne s'attend pas qu'il soit d'abord écrasé. D'abord, tu as honte, il soit d'abord écrasé. Celui qui fait ta chute, il faut d'abord qu'il soit lui-même écrasé. Parce que la promesse était là. Abraham avait reçu la promesse. Les problèmes, les choses étaient au-dessus sur la montagne. Isaac ne pouvait pas périr avant qu'Abraham meure. Donc, il y a moi, Abraham, maintenant, en coca, rien pas Isaac. C'est pourquoi Abraham ne pouvait rien faire à Isaac. Il y a moi, le lot, c'est moi, vous voyez, c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai la choix de te dire. Dans cette année 2014, pas de 2015. Je veux dire à quelqu'un simplement, tu regarderas la maladie qui te tourmente. Et tu te moqueras. Et tu lui diras, et toi et moi, il y en a un qui est cimetière. Alléluia. Tu te réveilleras, tu prendras ta voiture alors que tu as encore sommé, tu as encore les yeux enquilossés et peut-être que tu vas somnoler en cours de route. Mais laisse-moi te dire, le bon Oyo, cette main invisible, prendra le contrôle de ton volant. J'ai dit prendra le contrôle de ton volant. Tu te lèveras, tu prendras l'action, et quand tu rentreras, tu prendras le contrôle de là, pareil, et tu arriveras à la destination. Viens, Misaël, Kobangate. Viens, ton voisin ne prend pas peur. Viens, Misaël, Kobangate. Dis-lui, tu n'es pas peur. Dis-lui, tu n'es pas peur. Aujourd'hui, c'est bien, Misaël, Kobangate. N'aie pas peur. Misaël, Kobangate. N'aie pas peur.
la fleur. Alléluia. Amen. Yokangai. Écoute-moi, écoute. Yokangai. Écoute. Maman. Maman. Ma fille. Beaucoup de couteaux se perdent d'adresse. Alléluia. Amen. Melia Abraham. Le couteau d'Abraham. Les amis qui font la Isaac. N'était pas destiné à Isaac. Les amis qui font la taureau, pour la bélier. C'était pour le bélier. Mais il y a un mona qui bélier. Mais lui, il n'avait pas vu le. Il y a mon imouana. Il a vu l'enfant. Dans la, bah c'est trop pas l'adresse. Écoute, il s'est trompé. Ce n'est pas toi. Je vais te dire, ce n'est pas toi. Je vais te mettre. Je ne m'entends pas. Je vais te dire, ce n'est pas toi. Le chômage, c'est trop pas. Le chômage, c'est trop pas. Prophète, c'est trop pas. Maladie, c'est trop pas. Maladie, c'est trop pas. Le fils, c'est pas toi. 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 Le Dieu lui a dit, Abraham, ne passe pas le couteau sur le corps. Regarde derrière toi. Retire au sorcier de ta vie. Regarde derrière. Il y a votre agneau qui attend. Alléluia. C'est là qu'on veut dire quoi? Yoka. Écoute, ça veut dire ceci. Que je le dis simplement pour que vous me sachiez. Dis-lui, l'homme est sur quoi, Yomoko? Dis maintenant sur quoi? Nazan Beliété! Je ne suis pas un gibier! Nazan Diamaté! Je ne suis pas un gibier! Le problème, c'est quoi? Abraham avait la possibilité de ne saisir que la première révélation. Mais la deuxième lui a été cachée. Or, si Abraham avait connaissance de la deuxième révélation, il allait dire à son Dieu. Apprête le bélier. Moi j'ai le couteau. Moi j'ai le feu. Alléluia. Apprête le bélier. Moi j'ai le couteau. J'ai le feu. Parce que ce n'est pas la fin. T'as la battu ma taka, yo va s'arrêter. Regarde, ce n'est pas la taka, ça va tomber. J'ai mis le lot. Aujourd'hui, je dis aujourd'hui, vous en avez honte, on va calander. Send back to sender. Send back to sender. C'est la vie, retour à l'espèce. On besoin de chômage, tu on besoin de savoir l'espérité. On besoin d'échec, Yamana. On besoin de savoir l'espérité. On besoin de maladie. On besoin de savoir l'espérité. On besoin de camarade. On besoin de stérilité. On besoin de savoir. Alléluia. Voilà. Regarde, le bélier doit être formaté. Oh, il doit mon égalité. Pas moi. Maman va bosser la carte. Maman, c'est pas moi. Papa va bosser la carte. Il doit être la carte. Oh, mais le lion est dans la carte. Oh, mais le lion est dans la carte. Oh, mais le lion est dans moi je m'énerve contre cette poutine qui prenne la prise de l'Afrique. Tata Vania Molobate, papa est assis, maman Vania Molobate, si ça soit une vie, non, quoi, t'es la ligne de la de là, de pas avec de la yo, quoi, yo, quoi, yo, Nani, toi qui, Lélo, mais aujourd'hui, Lélo, aujourd'hui, Lélo, aujourd'hui, nous y avons le costume. Voyez-nous sur Tu sais le coq. Voyez-nous sur le coq.
Ce qui pompe coquille. Si quand lorsque le soir arrive, ah, il dit que Mara Moussili. Il sait que tout est ça là, comment il fait? Il refuse. Ah, il refuse. Non. C'est fini. Ah, il ne mangera plus. Il y a moins qui c'est pourquoi je veux te dire. La cette rentrée, c'est fini. Dans cette rentrée, c'est fini. Alléluia. Je veux dire ces choses. C'est ce que le Seigneur m'a donné toute cette place. Amen. Vous savez, ce qu'Isaac a koufaki. Si Isaac était mort, c'est-à-dire, Abraham n'allait pas avoir un héritier. Et le nom d'Abraham allait s'arrêter là et allait disparaître. C'est pour te dire, diable ne s'attaque qu'aux personnes les plus importantes. Les choses qui t'arrivent, parce que ça vous trouve, parce que tu es une personne qui est importante, parce que tu as la promesse de Dieu. Pour vous frapper dans cette place. Parce que pas dans l'homme à Isaac. Parce que tes fils sont dans la classe. Aucun accident pour atteindre de Marie. Oh, il est allé à la piscine et il s'est oh, il est allé à la colonie de cette vacances. Amenimba ya kufi. Ya naite. Ya voisine. Ya naite. Ya yote. Dieu ne vient pas à ce chemin-là. Tant
lorsque Dieu arrive, qui va signer qui attestation des commandes, des décès. Là, puis on a déjà signé attestation des décès. Le décès de mort. Paul Allen aussi va signer décret de mort. Oh, le décret de mort. Paul Allen va signer déjà attestation de décès. Non, Paul a voyé l'intérêt. Dieu viendra par ce chemin. Ah, on a dit Paul a voyé l'intérêt. On a dit Paul a voyé l'intérêt. Dieu viendra par ce chemin. On a dit Paul a voyé l'intérêt. Le Saint écoute-moi. Le docteur t'accompagne à la mort. Parce que ça le dit. Parce qu'il est fatigué. Il est fatigué, n'arrive plus. Il t'accompagnera. Les assistants sociaux t'accompagneront. Mais je vais te dire ce matin, cet après-midi, le Seigneur ne t'accompagnera pas sur ce chemin. Tu as été déclaré mourant. Tu as été déclaré mourante. Tu as été déclaré stérile. Tu as été déclaré pauvre. Sans papier, que sais-je encore. Mais le Seigneur, mon Dieu, ne prendra pas le même chemin dans le même sens. Il te donne le sens contraire. Alléluia. Tu es choyé. L'année passée, cette année, le Seigneur te donne le sens contraire. Et quand il te croisera. La Bible dit à Cindy Serkel. Il a touché le cercueil. Et Batunio Soho, pas s'arrêté. Et tout le monde est arrivé s'arrêter. Maman, la 7 est rentrée. Maman, nous sommes en paix. Cette maman-là, mon mari a couffa. Le mari est mort. Quand moi non, mon quoi t'calana. Le seul fils et moi non, mon pas couffi. Et le seul fils aussi est mort. Donc pour Nathan, pas son voisin. Moi-même pas chercher chez le voisin. Qui est toi qui me suis là. Tu te poses la question, mais pourquoi seulement moi? Pourquoi cela m'est arrivé? C'est moi qui suis l'ibundi, la famille. Mais pourquoi cette maladie? C'est moi qui fais manger toute la famille. C'est sur moi que les enfants s'appuient, que tout le monde s'appuie. Mais pourquoi cela ne m'arrive? Pourquoi à moi seulement? Tu te poses la question. Mais qu'est-ce que j'étais docile? Mais pourquoi de telles choses m'arrivent? Mais le Seigneur ton Dieu se lèvera pour toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vous ai donné les requêtes de prière. Alléluia. Amen. Maintenant, je vais amener l'église dans un moment de prière. Nous aurons des phases. On va oublier les enfants. On va se concentrer sur les parents. Alléluia. Amen. Parce que ce que vous ignorez, les parents sont aussi des enfants. Amen. Alléluia. Amen. Tu as un oncle, tu as un père. Yes. Donc tu es aussi un enfant. Et je vais me préoccuper d'abord, de toi, des fous, les parents. La Bible dit qu'on frappera les bergers et les brebis. Donc c'est facile. Quand tu seras atteint, et les enfants ne pourront plus monter. C'est pourquoi il faut que ta vie soit impactée, soit protégée. Et que la main de l'Éternel soit sur toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toi qui es peut-être derrière cet ordinateur, tu es en train de nous suivre. Je te demande de te lever aussi là où tu es. Le parent. Oublions tout. Tenons-nous debout. Il y a des protocoles là-bas qui s'occuperont des enfants. Je veux que les parents, les responsables, se tiennent debout. On n'a pas beaucoup de temps. Tenons-nous debout. Les enfants qui sont adultes, tenez-vous aussi debout. Oui, écoutez. La rentrée se prépare
de plusieurs manières. Ceux qui pratiquent la magie, l'occultisme, sont allés voir leur maître, sont allés dans leur loge, et ils se préparent. Si tu as un maître, le maître comme moi, l'Éternel des armées, nous voulons nous préparer avec notre maître. Nous voulons faire des déclarations avec notre maître. C'est pourquoi je te demanderai de commencer déjà à rêver cette année qui commence maintenant et qui s'achèveront après les vacances, après le mois d'août de l'année 2015. Tu auras 365 jours. Tu ne sais pas le train que tu prendras, le métro que tu emprunteras, les routes que tu rouleras, les pistes dans lesquelles tu monteras. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas les maladies qui viendront te visiter. Mais je veux simplement que tu pries maintenant à ton Dieu. Que tu parles à ton Dieu. Et que tu parles à toi-même. Tu prends ta vie. Tu la mets entre les mains de Dieu. Alléluia. Commence à dire à Dieu, Seigneur, ma vie est entre tes mains. Cachée entre tes mains. Elle est couverte dans ta maison. Dans ton palais. Parle à Dieu dans le nom de Jésus. Tu peux payer tout.